Voilà, sans transition, nous reconnaissons tout de suite, nous faisons monter immédiatement notre invité à l'antenne. J'ai nommé Jean-Michel Raoult. Jean-Michel, tu n'as pas ton micro de branché, mon ami. Ouh. Eh bien, bonjour mon général. Très belle déclaration hein, de motivation en ce début de... Ah, t'as vu, on s'en mêle, nous, hein, ça ne fait pas les choses à moitié, hein. Et voilà, hein, notre cher général. Voilà, très très bien, c'était bien de l'associer avec tout ça. Voilà, mais écoute, alors ce soir, ben, je suis à ton écoute, j'ai prévu, je prévoyais un petit peu de parler un petit peu d'éclaircir cette, tu appelles ascension, cette récolte des âmes pour certains, cet événement qui arrive vers nous. Pour le montrer que, comme je dis d'habitude, ce n'est pas du mysticisme, ce n'est pas de l'ésotérisme, je n'ai rien contre ça, mais que ces processus font bien partie des processus de la cyclologie, qui est la science qui étudie les cycles du temps, et que régulièrement, ce processus s'est déjà déroulé et se déroulera encore. Donc, mieux comprendre les mécanismes de ce changement d'état de conscience global qu'on appelle l'ascension, eh bien, c'est important parce que ça nous permet de se l'approprier et de le faire rentrer dans nos compréhensions un peu plus ordinaires, on va dire, quelque part à ce niveau-là. Parce que, justement, c'est resté jusqu'à maintenant quelque chose d'inaccessible, on va dire religieux, avec Jésus, avec d'autres. Il n'y a pas que Jésus, il y a aussi Enoch, qui, dans les Anciens Testaments, a ascensionné. On va parler aussi peut-être d'autres, de Bouddha, pourquoi pas. Donc, tous ces processus sont toujours réservés à des personnages un peu mystiques ou un peu mythiques, ça dépend comme on veut. Et ça sort de l'appréhension du citoyen ordinaire, alors que pas du tout. Si nous comprenons le mécanisme, on pourrait parler de la science de l'ascension, de la science du changement d'état de conscience. Et c'est ça qui nous fait que nous allons vers une nouvelle type de civilisation qui va élargir ses compréhensions face aux phénomènes fondamentaux de la vie, comme existe-t-il une vie après la vie? Existe-t-il, est-ce que la conscience est générée par le cerveau ou inversement? Ainsi de suite. Donc, ces questions sont de grands moments philosophiques ou métaphysiques qui nous aident à mieux comprendre les événements qui sont en train d'arriver. Voilà. Alors ce soir, j'ai prévu, si tu veux, un petit diaporama tricot qui va expliquer scientifiquement une des étapes. On verra, chaque fois, on pourra progresser avec des éléments scientifiques sur ce que fait le phénomène d'ascension. Juste avant qu'on attaque cette partie, si tu veux bien, j'ai une petite question pour toi. Ça ne nous aura pas échappé, en tout cas moi, ça ne m'a pas échappé, mais je voulais avoir d'abord l'authentification par tes soins sur ce phénomène. Paraît-il, nous sommes en pleine tempête solaire pour le moment, est-ce vrai? Alors, oui, j'ai entendu parler qu'il y a eu une interruption il y a un jour totalement de la résonance de Schumann pendant plusieurs heures. Alors, ça se produit de plus en plus régulièrement. Avant, c'était de temps en temps. Et là, je viens de voir encore que pendant un certain nombre d'heures, il n'y avait plus de résonance de Schumann. Alors, ce n'est pas dû imputable à un problème d'appareil, on peut dire, c'est un problème technique. Non, ça se reproduit de plus en plus. Avant, c'était rare. Et là, depuis le... Ben, je veux dire, depuis cet été, en gros, c'était le mois de juin. À partir du mois de juin de cet été, il y a eu de plus en plus de ruptures de la résonance de Schumann qui est reliée à la ionosphère, qui est reliée au champ du soleil. Et oui, je viens apprendre que le soleil, en ce moment, a des cycles de plus en plus puissants au niveau de ses émissions, on peut dire, particulières et radiatives. Donc, il y a comme une espèce de corrélation. Est-ce que ça va continuer? Personne ne comprend comment vraiment fonctionne le soleil, et jusqu'à maintenant, même pas les scientifiques savent vraiment ce qui se passe. Donc, on est un peu dans l'expectative, et on regarde ça, mais on s'aperçoit que si on fait des relevés de données, eh bien, il y a une accélération du processus, comme notre soleil se mettait à s'aligner sur des énergies qui viendraient peut-être de la galaxie elle-même, peut-être comme si le soleil était miroir, de quelque chose qui se passe encore plus en amont. On en parlera un jour de ce qu'on appelle le cœur galactique, le noyau galactique dans lequel il y a
un trou noir, on sait très bien, avec des activités. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Voilà. Donc, si tu as d'autres questions, je peux répondre. Pas pour l'instant. Moi, tu sais, mes questions, elles viennent quand elles me viennent, et puis je te les pose. D'accord. Donc, l'ouverture pour t'interrompre, pour te la poser. Il n'y a pas de problème. Je vous ai compris. Alors, nous allons. Je vais dire une surprise pour toi. Tonton, j'ai une surprise pour toi et pour tous les auditeurs qui vont rester. Il y a une grosse surprise pour toi. Je ne vais pas dire de quoi c'est à la fin du diaporama. Alors, je ne vais pas faire long, hein, je ne suis pas là parce qu'on pourrait expliquer pendant des heures. Mais je vais vous montrer justement, comme je vais parler de l'ascension et des vagues ascensionnelles, ce que c'est vraiment, eh bien, ils vont se baser sur un des phénomènes. Alors, je ne vais pas entrer dans le truc de la Terre plate, pas plate, arrosée, non. Je vais garder la théorie générale, ce qui n'empêche pas, même si elle est plus grande, la Terre, que ce qui s'est prévu, je ne pense pas que ça ait une influence sur ce processus-là, mais je vais rester dans ce qu'on appelle la tradition par rapport à tout ça. Alors, je vais vous parler ce soir d'un phénomène qui est très connu, par ceux qui étudient tout ça, s'appelle la précession des équinoxes. Alors, la précession des équinoxes, j'ai préparé un petit diaporama et qui va essayer de vous l'expliquer et on va voir quel rôle on pourrait jouer dans, justement, le processus des vagues d'énergie qui vont, temporiser les changements de conscience sur la planète Gaïa. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais aller un peu vite, je reprendrai tout ça au cours de l'autre émission et petit à petit, on va voir arriver quelque chose d'assez rationnel, d'agir factuel pour mieux comprendre ce qu'est ce processus de changement de telle conscience que, je le répète, il n'est pas dû au hasard, il n'est pas dû à un accident, il est tout simplement la répétition de quelque chose qui s'est déjà accompli et qui continuera de s'accomplir après. D'accord ? C'est donc un processus naturel de l'univers qui concerne à la fois les planètes, qui concerne vers les étoiles, tout ça, mais qui concerne aussi les habitants de l'univers, les consciences enseignantes. Alors, je vais commencer ce petit diaporama, et à la fin, je vous ferai une petite annonce, si tu veux bien, mais je vais commencer ce petit diaporama qui est court, hein, je ne vais pas faire important. Voilà, ici. Alors, je regarde si ça, normalement, je ne sais pas si, pourquoi on ne voit pas. Alors, attends, je vais essayer de remettre. Est-ce qu'on voit apparaître le diaporama, là? Ah non, pas du tout, là. Alors, est-ce que c'est pas moi qui devrais... Ah, c'est peut-être moi qui dois le faire, alors. Parce que on peut pas utiliser ton partage d'écran, toi. C'est non. Là. Voilà. Faut se rappeler de tout, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc là, normalement, on doit le voir apparaître. Voilà. Là, il est là. On le voit, hein? Voilà. Donc voilà. Donc ici, je commence. Alors, je vais relativement vite, hein. Ce n'est pas une conférence, hein. C'est simplement des diapositives. Attends, mais il n'est pas partagé. Hein, là. Il n'est pas partagé. Alors, bon, alors comment ça se fait-il que ceci ne se partage pas? Enlève. Alors, je vais peut-être enlever le tien. Voilà. Je vais garder le mien. Là. Voilà. Et là, normalement, il devrait. Non. Ah, voilà. Voilà, là, c'est bon. Il fallait que je désactive le tien. Mais ben, vous fassiez par. Voilà. Alors, on y va. Je vais enlever le mien, comme ça, il n'y a plus de doute. Voilà. Donc, on va reparler d'un événement, mais rapidement, je reviendrai à tout ça. Le fameux événement de 2012, que tout le monde a récrié, et on verra que plus tard, il va prendre sa place. C'est mieux comprendre ce qui s'est passé en 2012. Voilà, donc tout ceci. Voici un texte qui a été donné au lever du soleil du 21 décembre 2012. Tout ceci peut se vérifier, hein, ça c'est des données scientifiques. Et pour la première fois depuis 26 000 ans, il faut bien retenir le chiffre, le soleil se lèvera pour se joindre à l'intersection de la Voie lactée et du plan écliptique. Cette croix cosmique est considérée comme une incarnation de l'arbre sacré, l'arbre de la vie, un arbre reconnu dans toutes les traditions spirituelles du monde. À ce moment-là, notre planète est censée enregistrer de grands changements événementiels. Donc ça fait 12 ans. Le 20 mai 2012, il y aura une éclipse annulaire du soleil. Donc, c'était à l'époque, c'était... c'est passé, donc, vous dire, il y a eu une éclipse annulaire du soleil le 6 juin 2012. Ce sera le second et dernier transit de Vénus du siècle.
Le 13 novembre 2012, nous pourrons voir une éclipse totale du Soleil, visible dans le nord de l'Australie et dans le Pacifique Sud. Puis le 21 décembre, ce sera la fin du grand cycle de 13 Baktun dans le calendrier Maya. 13 Baktun égale 13 signes de 144 000 jours, soit 1 872 000 jours, soit plus de 5125 années. D'accord ? Tout ça, c'est des calculs, ça vient des Mayas. D'accord ? Ouais. Voilà, donc, voilà, c'est fait. Selon une prophétie Maya, les crânes leur ont été, les fameux crânes de cristal, les crânes leur ont été transmis par les Atlantes, qui les tenaient des initiateurs venus du ciel. C'est ce que disent les Mayas. Lorsque les 13 crânes seront réunis, ils révéleront le secret de la vie en 2012 de notre ère. On peut se poser la question, c'est quoi ce secret? On parlera plus tard. Pour l'instant, on pose les données. Voici bon, une petite illustration d'un crâne. Ce n'est pas un crâne maya, mais c'est pour illustrer ce qu'est un crâne de cristal. Ouais. Chez les mayas, j'en parlerai pas ce soir, hein, mais je vous montre, pour ceux qui veulent faire des recherches, et je vous incite à faire des recherches, il y a une notion qui s'appelle les inframondes mayas. Les inframondes mayas établissent que du Big Bang jusqu'à une certaine date, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zones qu'on appelle des inframondes qui se sont développées dans l'univers. Chaque inframonde étant un taux de conscience que les structures de l'univers vont avoir. Donc, on voit au fur et à mesure que depuis le Big Bang, il y a eu 9 zones. Chaque zone étant 20 fois moins longue que la précédente. Donc, ça veut dire que les Mayas nous montrent que depuis que l'univers est né, le projet de l'univers est de créer de la conscience qui se complexifie. On s'aperçoit que les zones diminuent au cours du temps, sauf que le système nerveux des habitants, on peut dire de la Terre, on va dire la Terre, va devenir de plus en plus grand. Par exemple, on va passer du cellulaire au mammalien, au familial, au tribal, au régional, national, planétaire, galactique, universel. Et il disait que en 2012, il y avait un événement qui allait arriver, qui s'appelle intemporalité, qui n'appartenait pas à l'évolution normale de la planète. D'accord ? Donc ici, c'est 14,5 milliards d'années d'évolution qui devait se finir à une date très précise. Tous les inframondes se terminent simultanément le 28 octobre 2011. Tous les inframondes depuis le début de l'univers, pour les Mayas, devaient se finir le 28 octobre 2011. C'est-à-dire, c'était le summum de la conscience. Là, on allait vers un état de conscience transcendantale appelé intemporalité. Je rappelle que c'est la tradition Maya. D'accord ? Ouais. Donc, si, sauf que vous pouvez dire, oui, mais ça ne s'est pas arrivé. On est bien arrivé le 28 octobre 2011, mais il n'y a pas ce processus transcendantal qui est arrivé. Alors, on verra. C'est comme dans tout, il y a des possibilités de différer certains événements, si ce n'est pas prêt. Mais pour l'instant, on va dire, voici ce que disaient les Mayas. Donc, je reviendrai plus tard sur les inframondes, parce que c'est absolument important de comprendre comment la conscience évolue depuis le début de l'univers jusqu'à cet événement très particulier que les Mayas avaient anticipé. Mmh. Par rapport à tout cela, ces événements, ces énergies sont aussi reliées au mouvement de la planète. La planète Terre fait un mouvement sur elle-même en 24 heures, on le sait, et un mouvement elliptique autour du Soleil en 365,25 jours. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la planète Terre, en tournant sur elle-même et en tournant autour du Soleil, elle décrit aussi, autour d'un axe virtuel, un mouvement qui est elliptique. Et la durée de ce mouvement elliptique, comme une toupie quand on la fait tourner sur elle-même, on verra qu'elle tourne très vite sur elle-même, puisqu'elle a un mouvement de rotation autour d'un axe virtuel, perpendiculaire au sol. Ça s'appelle le mouvement de précession, ou appelé direction de précession. C'est le spin, ça veut dire tourner. Donc, vous voyez, on voit bien, c'est de la physique. Donc, comme la planète tourne sur elle-même, elle tourne aussi autour d'un axe virtuel qui s'appelle l'axe de précession. Et à ce moment-là, à cause de quoi ? Parce que l'axe géographique de la planète fait un angle de 23,5 degrés par rapport à la perpendiculaire
de son plan écliptique, c'est-à-dire de son plan de rotation autour du Soleil. Elle a une inclinaison de 23,5 degrés. Et c'est ce qui nous permet d'avoir quatre saisons. S'il n'y avait pas d'inclinaison, nous n'aurions que deux saisons, qu'un éternel été ou un éternel hiver en fonction de l'hémisphère. C'est très simple pour ça. Donc, ce mouvement de 23,5 degrés, ben, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes, c'est-à-dire qu'on va voir que eh bien, cette planète va faire ce mouvement de précession comme la toupie, et que ce mouvement, on va voir, il va durer 25 920 ans, ce qu'on appelle dans la tradition la grande année cosmique, 25 920 ans, d'accord ? C'est la durée de la grande année où l'axe de la Terre parcourt une ellipse autour de ce pôle écliptique, en réalité, qui est perpendiculaire, d'accord ? Donc ça, c'est important de comprendre. 25 ans qu'il faut pour faire ça ? Ouais, alors c'est en réalité 25 920, c'est vraiment très précis. 25 000 ans, c'est-à-dire une année cosmique, on appelle ça une année cosmique. Donc, en réalité, on voit ici, vous voyez, 25 900, alors c'est 800, mais c'est 920, voilà, la précession. Après, il y a d'autres petits mouvements qui sont des nutations, vous voyez, comme ça. Vous voyez que c'est très complexe quand même, la Terre ne fait pas seulement des rotations, elle fait des nutations parce qu'il y a des balours, parce qu'il y a des différences de gravité par rapport au pôle nord, au pôle sud, donc ça fait des petites oscillations comme ça, mais ce qui nous intéresse ici, c'est 25 920 ans. Alors, 25 920 ans, c'est important, pourquoi ? Parce que nous avons 12 signes du zodiaque, d'accord ? Nous avons 12 signes, et si on divise 25 920 ans par 12 signes, on va obtenir la durée d'une ère zodiacale. Combien vaut une ère zodiacale ? Eh bien, c'est 25 920 divisé par 12, ce qui fait 2160 ans. C'est-à-dire, c'est pas 2000 ans une ère zodiacale, c'est 2160, d'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on a 12 ères zodiacales de 2160 ans, ce qui nous fait une année cosmique de 25 920 ans. Ça, c'est important de le comprendre. Ah, et c'est pour ça qu'on est en train de parler, où on passe de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau, mais c'est pas 2000 ans, c'est 2160 années. D'accord ? Et justement, ben là me vient une petite question quand même. Ça ne t'aura pas échappé qu'il circule cette histoire de calendrier julien. Oui. Avec, auquel cas, 13 mois au lieu de 12, 13 mois de 28 jours, et qu'il y aurait un 13e mois rajouté. Ouais. En été, je ne sais plus si c'est en juin, entre juin et juillet ou entre juillet et août, je ne sais plus, et qui s'appelle Resson. Donc, qu'en est-il de ce calendrier julien dans ces calculs ? Alors, en réalité, ça va changer pas grand-chose. Ça va on changer. Partage le gâteau en 13 et non en 12. Voilà, 13 ou en 12, ça va jouer un petit peu, mais ça ne change pas le mécanisme. Ici, il ne faut pas regarder que les normes, il faut regarder le mécanisme. Pendant que l'axe de la Terre, l'axe qu'on appelle géographique de la Terre, va faire cette ellipse dans le ciel, de temps en temps, cet axe va couper un endroit où il y a des constellations, ou même il y aura des étoiles. Eh bien, quand l'axe coupe et orienté vers une étoile, cette étoile devient l'étoile polaire. Ça veut dire qu'il y a notre étoile polaire actuellement qui est Alpha Canis Majoris, qui est l'alpha du petit petit chariot, alpha du petit chariot, alpha polaris. Donc en réalité, elle n'a pas toujours été notre étoile polaire. Il y a 4500 ans, c'était l'étoile alpha dragonis, l'étoile alpha de la constellation du dragon. Et on pourra dire, par exemple, dans un certain nombre de milliers d'années, ça sera Vega. Donc on voit que les étoiles polaires ne sont pas toujours les mêmes. Ça dépend, bien sûr, de la direction que va prendre l'axe et comment il va couper une étoile. D'accord. Ça, c'est important de comprendre. Déjà, la première chose, l'étoile polaire n'est pas quelque chose de fixe, elle peut changer. Ce qui est important ici de savoir, d'après les données d'autres chercheurs, quand l'axe de la Terre est orienté vers le centre de la galaxie, on le voit ici, vers le centre de la galaxie, hein, quand l'axe de notre Terre se tournerait vers le où il y a le trou noir, où il y a le centre galactique, certains auteurs disent qu'on recevrait des énergies qui éveilleraient la conscience de la planète. D'accord ? Par contre, au cours du temps, l'axe va ne plus orienter, va
bientôt orientée vers le sens inverse de l'axe de la galaxie. À ce moment-là, on a l'époque où l'humanité dort le plus profondément. C'est-à-dire où il y a moins d'énergie de conscience. D'accord? Donc, il y a un phénomène ici. Quand ça tourne vers le centre de la galaxie, on appelle ça un âge d'or. La conscience est au maximum. Et quand elle se tourne, quand l'axe de la planète tourne vers l'inverse du centre de la galaxie, eh bien, on est dans un axe des ténèbres, un axe d'assombrissement. Donc, ça fait à peu près la moitié de 24 000... Eh bien, tonton, ça ferait 13 000 ans. C'est-à-dire tous les 12 000 ans à peu près, on a... Alors, si on parle de l'âge d'or... Il y a une ascension tous les 13 000 ans. Non, il n'y a pas une ascension tous les 13 000 ans, il y a une ascension tous les 26 000 ans. Il faut faire un cycle complet. Ah oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, tous les 25 960 ans, il y a un phénomène ascensionnel. Mais ça, j'en parlerai la prochaine fois. Et vous voyez que c'est naturel. Vous voyez que c'est relié. Il n'y a pas de fantaisie. Il n'y a pas de mystique. Voilà. C'est simplement les mouvements planétaires qui font ça. Alors, depuis qu'on s'est endormi, eh bien, quand est-ce que s'est endormi? Eh bien, il y a 12 000 ans. Et 12 000 ans, il y avait l'Atlantide. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'était l'âge d'or à l'Atlantide. Mais il y a 12 000 ans. Et il y a 5125 ans, nous étions en train de dormir profondément. C'était l'époque de Sumer. Et dis-moi, qu'est-ce qui a anéanti l'Atlantide? Parce que... C'est difficile à dire, je pense. Ce phénomène n'explique pas l'extinction de l'Atlantide. Non. On parlera des extinctions après, si tu veux, une autre fois, parce que je ne veux pas vous faire trop long, hein, puisque tu es fatigué. Mais note ta question, tu me la poseras la prochaine fois. Et là, je vais poser les mécanismes, et après, on parlera, si vous voulez, des vagues ascensionnelles, justement. La destruction de l'Atlantique est liée aux vagues ascensionnelles. On va voir, hein, d'accord? Mais ce phénomène. Un épiphénomène qui accompagne ça. Donc ici, on dort depuis 5100, à peu près 5120 ans, et c'était à l'époque de Sumer, c'est-à-dire qu'on était, à l'époque de Sumer, on était en train de dormir. C'est pour ça qu'on avait les fameuses cités d'État et que c'était un temps barbare, un temps très difficile. Et depuis 5125 ans, on est en phase de réveil. Et dans les années 90, on était ce qu'on appelle à l'aube des premières lueurs du réveil. On commençait notre réveil qui allait durer 12 000 ans, en réalité. 12 000 ans de réveil pour atteindre un nouvel âge d'or. Je parle ici des valeurs traditionnelles. On verra plus tard qu'il peut y avoir une modification là-dessus, mais je parle des valeurs traditionnelles. Ici, donc nous sommes à ce qu'on appelle le passage dans l'ère du Verseau. Nous sommes en phase simplement de réveil. Ça fait 5120 ans que nous dormons. Voilà pourquoi l'humanité est à ce point, on peut dire, étonnamment endormi. C'est pas forcément dû à... Donc, un des paramètres, c'est que nous étions profondément endormis depuis 5125 ans. Le reste n'a pas aidé. D'autres phénomènes n'ont pas aidé au réveil. Et c'est pour ça que c'est très difficile actuellement de se réveiller. Voilà. Donc, d'après la tradition, il nous resterait presque plus de moins de 12 000 ans pour atteindre de nouveau l'orientation de l'axe planétaire vers le centre de la galaxie et de avoir un âge d'or. Entre l'âge de, l'âge d'endormissement, on l'appelle l'âge de fer ou Kali Yuga, mais après il y a des âges de cuivre, après il y a des âges d'argent et après il y a l'âge d'or. Il y a des âges intermédiaires. Alors, on y arrive là maintenant, on y est. Alors, pour l'instant, dans la tradition, non. La tradition te dit non. La tradition te dit que c'est dans que 12 000 ans à peu près. D'accord? Bon. Ouais. Mais pour l'instant, je vous parle de mécanisme. On verra après. Ne soyez pas déçus, c'est pas grave. Ça va le faire. Mais pour l'instant, je vous parle des mouvements, d'accord? Pour bien que ce soit clair, hein, voilà. On est dans une phase d'éveil. Maintenant, l'âge d'or, dans la tradition ici, ne peut être accessible que dans à peu près 12 000 ans, moins 5 000, c'est-à-dire 11 500 ans. 12 000 ans moins 5 000, ça fait 8 000 ans, quoi, à peu près. Voilà. Ici, voilà, donc ici on a le mouvement du précession par rapport aux fameuses étoiles. Vous voyez qu'on a Polaris, petit ours, après on aura Céphée, après on aura l'étoile du Cygne, après on aura l'étoile de la Lyre, après on aura l'étoile d'Hercule. Donc vous voyez que l'étoile polaire n'est pas toujours la même, ça dépend de l'orientation de l'axe planétaire. Pour finir ici, je vais vous montrer, vous voyez que c'est tiré de Science et Vie Junior, on ne peut pas dire que c'est ésotérique. La Voie Lactée, c'est le nom de notre galaxie. Voici une coupe de notre galaxie,
Hein? Alors, pour voir un peu les distances, c'est que la distance du noyau galactique, du centre de la galaxie, au bord de la galaxie, la lumière met 100 000 ans, vous voyez, 100 000 années-lumière pour parcourir la totalité de la largeur de la galaxie, 100 000 ans. C'est-à-dire que si un grain de lumière partait d'ici, il mettrait 100 000 ans pour arriver de l'autre côté, et ça veut dire à peu près ben, la durée de l'évolution de l'homme. Vous voyez, c'est grand une galaxie. Alors, elle est grande comme ça, elle est épaisse, un peu moins épaisse, elle a que à peu près 1000 années-lumière d'épaisseur. Ça, c'est la Voie lactée, c'est notre galaxie. Et au centre de la galaxie, il y a un trou noir. Ça, les scientifiques le disent maintenant. Donc, vous voyez, comment on peut expliquer ça? Eh bien, nous sommes pratiquement sur le bord de la galaxie. Nous sommes à peu près 26 000 années-lumière presque la durée d'une précession. C'est curieux parce que la distance du Soleil au centre galactique, c'est à peu près la durée d'une année cosmique de 26 000 ans. Vous voyez? Voilà. Et le Soleil, on l'a dit, a coupé le plan écliptique. Pour comment c'est possible? Parce que le Soleil qui tourne autour, notre Soleil tourne lui-même autour du centre galactique, eh bien, il tourne en faisant comme des montées, des descentes comme ça, un petit mouvement de nutation. Eh bien, quand il arrive là, on dit qu'il coupe le plan écliptique galactique, et c'est à ce moment-là que certaines choses peuvent se passer. Eh bien, justement, le Soleil au 21-12-2012, selon le calendrier grégorien, eh bien, le Soleil a coupé le plan écliptique galactique selon un angle de 60 degrés. Tout ceci, vous voyez, c'est CLCV qui le dit, ce n'est pas moi. Donc ça, c'est très curieux. Alors, on pourrait parler de pourquoi 60 degrés, mais vous voyez, donc ça veut dire, et c'est ça que les Mayas avaient prévu en disant, lorsque notre Soleil coupera le plan écliptique le 21-12-2012 de notre ère, il se passera un phénomène énergétique. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas passé. Alors, pour les connaissants, pour ceux qui veulent faire du symbolisme, eh bien, l'angle de 60 degrés qui représente la position du système solaire par rapport aux plaques galactiques, eh bien, c'est l'angle que va dans une étoile à 6 branches. Ça fait 60 degrés, ça fait 60 degrés. Donc, ça peut ensuite donner lieu à du symbolisme. Voilà. Alors, donc, vous voyez, si ça a été étudié, le 21 décembre 2012, j'ai un ami qui a étudié l'alignement qu'il y avait. Je ne vais pas faire dans le détail, mais vous voyez, c'est très précis. Alors, excuse-moi, ce qu'on entend dire que nous allons rentrer dans l'âge d'or, c'est un mensonge alors, en fait. Non, ce n'est pas un mensonge. C'est qu'il va y faire d'autres phénomènes qui vont entrer en jeu et qui n'étaient pas prévus dans la tradition. C'est-à-dire la tradition est partie d'un moment perpétuel de cycle. Nous allons changer beaucoup de choses. Okay. Mais c'est pour ça que j'en parlerai après. C'est pour ça que toi, si tu ne veux pas trop mélanger, il ne faut pas que les gens soient perdus. Là, je vous parle de la tradition. Non, mais c'est parce que je vois des commentaires où les gens paniquent un peu. Ne paniquez pas. Il y a d'autres paramètres. Je vais rentrer les paramètres les uns après les autres. Sinon, on va être perdu. Donc, ne vous inquiétez bien, ça va bien. Tout va bien se terminer. Mais c'est un peu comme actuellement, vous voyez. Ça va bien se passer. C'est comme maintenant. Faut comprendre l'ensemble. Là, ce sont des morceaux, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas dit que l'ascension ne se ferait pas. J'ai dit simplement que d'après la tradition, voilà. Voici le thème du 21 décembre 2012. Vous voyez, tout a été étudié. Par rapport à tout ça, nous, voilà à peu près ce qu'aurait dû se passer au niveau galactique. On voit la galaxie ici. Et vous voyez, c'était une immense éruption énergétique. C'est ça qui aurait dû provoquer le changement d'état de conscience complet sur la planète, d'après les Mayas, le 21, même pas le 21 décembre, mais le 11 octobre 2011. Voilà, je me perds dans les dates. 2011, oui. Donc, ça s'est pas passé. Ça ne veut pas dire que ça s'est pas passé. Et on verra plus tard de qu'est-ce qui a pu se passer. Vous voyez, cet état 2012 a été trouvé par Raymond Spinozzi en traçant, d'après des visions intuitives, ce monsieur qui avait beaucoup de visions, un médium, on va dire, très, très profond, eh bien, ces visions lui ont montré qu'en reliant des sommets de montagne en Provence, on pouvait faire apparaître 2012. Tout ça, c'est vérifiable sur le cas. Donc, voilà. Donc, c'est un élément, vous pouvez le prendre ou pas le prendre, mais la carte existe, c'est factuel. 2012 était bien marqué en Provence, en reliant tous les petits points jaunes, ce sont des sommets de montagne. Maintenant,
Voici une dernière carte qui a été faite par un autre monsieur qui s'appelle Maxime Pellin, qui lui aussi a des visions, qui retranscrit sur des cartes. On est toujours en Provence. Les petits ronds, c'est toujours des sommets de montagne. Et voici ce qui est apparu. Écoulement du temps. 5D. Ici, vous voyez, il y a comme un vortex, un passage, un trou de ver. Et ça arrive ici. Et ici, on voit des alternances, vous voyez, comme ça, violette. Ici, on voit un axe droit de 2020 à 2024. Ça veut dire que pour certaines personnes qui se réveillent et qui lâchent prise et qui se concentrent sur le changement, ils vont profiter de cette vague d'énergie qui est en train d'arriver, de la galaxie. Vous voyez, c'est ce que représente ça. C'est la fameuse 5D, cinquième densité qui vient. Par contre, d'autres personnes qui restent fermées, qui ne veulent pas bouger ou qui s'en foutent, eh bien, ils vont, eux, ne pas être sensibles à cette énergie. Ça veut dire qu'il y a deux mondes actuellement, c'est ce qu'on voit. De 2020 à 2024, justement, il y a coexistence d'une dimension troisième densité qui a toujours été sur Terre depuis 300 000 ans, depuis que l'homme existe. Donc, ça n'a pratiquement pas bougé. Par contre, il y a une possibilité ici de rentrer en résonance avec une énergie, vous voyez, qui grandit, qui grandit, qui grandit chaque fois pour aboutir en 2024, qui est l'année, d'après les données que nous avons, l'année d'une extrême importance. Mais vous voyez, c'est pas donné à tout le monde. Sinon, il n'y aurait pas cette ligne droite qui est là. Alors, plus tard, on verra d'autres informations. Mais quelque part, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en faire. Il y a des personnes qui vont rester là, à ce niveau-là. Et elles sont insensibles, ou elles ne veulent pas, raisonner avec cette énergie. Donc, eh bien, ils vont rester à ce niveau-là. Et d'autres, on respecte leur libre arbitre, on respecte leur décision. Par contre, d'autres vont, vous voyez, de plus en plus, et ce qu'on a aperçu, si vous me parlez du soleil, tout ça, eh bien, ça devient de plus en plus grand à ce niveau-là. Et c'est une énergie qui vient de la galaxie. C'est une énergie, on peut dire, de plus importante, qui aide au changement d'état de conscience. Mais le résultat, là, au bout de la flèche, là, que ce soit en 3D ou en 5D, le résultat, là, à la fin, là où tu as ton curseur, ouais, le résultat, il est le même pour tout le monde. L'arrivée est la même pour tout le monde. L'arrivée est pour tout le monde, mais ce n'est pas dans le même état de conscience. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde, personne n'est perdu, parce que la ligne ne s'interrompt pas, ouais, mais tu as raison, mais ça ne veut pas dire que tout le monde sera dans le même état de conscience. Et il y aura donc un destin différent. Soit si tu es resté en 3D, tu auras un destin, et soit si tu as rentré en résonance avec une énergie de conscience supérieure, tu vas passer dans un autre état de conscience, et bien ton destin sera différent. Mais, d'accord, bien sûr, les deux lignes coexistent ensemble. Ok. Pour finir, je parlerai un jour d'une autre carte, on montre ici, qui nous a été donnée, qui nous montre qu'en réalité, à partir de 2022, regardez, la ligne droite a commencé à se transformer en être en harmonie avec la ligne violette ici. Alors, la carte, il faut que je la retrouve, parce qu'elle est là. Ça, c'est un tracé qui a été fait à partir de notre carte, qui n'est pas là. Donc, il y a eu qu'à un moment donné, quelque chose s'est passé, où même les gens qui étaient vraiment fermés, vous voyez, à partir de 2022, regardez la date, 2022-2020, il y a un phénomène de réveil qui s'est fait même pour ceux qui résistaient. Alors, ça ne veut pas dire que tous, bon, mais ils vont devenir de plus en plus moins important que les autres, mais vous voyez, c'est le fameux phase de réveil. Mais effectivement, on le constate quand même. Moi, personnellement, voilà, je le constate quand même. Il y a quand même une évolution, même chez les normistes, comme on appelle ça. Voilà. Ben, je vous montrerai la carte la prochaine fois, vous verrez. C'est la même, mais ça apparaît même sur la carte à ce niveau-là. Maintenant, je vais te donner la surprise, Tonton. Tonton, tu as parlé de Charles de Gaulle. Tu es devenu Charles de Gaulle dans ton déclaration, d'accord ? Déclaration, oui, à la liberté, à l'intervention, on peut dire, sans armes, intégration de la paix, mais quand même aller de l'avant. Eh bien, voici, on a une carte, ça fait quelques années, la voici. Première carte, tu as parlé du rôle de la France. Charles a parlé du rôle important de la France, d'accord ? Eh bien, on a une carte qui en Provence, où les sommets de montagne, lorsqu'on les relie, ça fait la carte du monde. Et au centre, c'est la France qui est dessinée. Au centre du monde. D'accord ? Tout ça, c'est les montagnes. Donc, c'est en Provence. Ça veut dire que le centre du monde, c'est la France. Alors, je répète, ce n'est pas politique, ce n'est pas financier, ce n'est pas, c'est énergétique.
énergétique. Voilà, conscience. Donc, c'est ici que le processus se fait. Cette carte le montre pour ceux qui veulent. Toi, ceux qui seraient sensibles, si je passe à cette date ici, ceux qui sont là-dessus vont comprendre cette carte. Par contre, ceux qui sont là ne vont pas la comprendre. Non. D'accord ? Voilà. C'est toi, c'est ça l'état de conscience différent. C'est ça l'état de conscience différent. Maintenant, le cadeau, encore, donc, vive la France, vive les Français. Maintenant, regardez ce que va vous dire Charles de Gaulle. Tu as dit que Charles de Gaulle, il vous parle depuis l'état éternel dans lequel il est. Ouais. Eh bien, regardez, il va vous parler. En Provence, c'est adressé à la Fédération Service de la Vie, c'est-à-dire tous ceux qui se réveillent, actifs, ceux qui sont dans l'action. Il dit, la grandeur de la France, c'est la liberté du monde. Charles de Gaulle. Wow. Écrit par des sommets de montagne en Provence, et cette phrase, elle est inscrite sur la statue de Charles de Gaulle devant le Grand Palais face à l'Élysée. C'est tous les points des hauteurs. Ah, c'est tous des montagnes. Les petits ronds là, c'est que des montagnes. Wow. La grandeur. Vélo, tu peux le faire avec ta voix, ce sera mieux. Vas-y, Toto. La grandeur de la France. La liberté, voilà. La grandeur de la France. La liberté du monde. Voilà. Moi, voilà. Charles de Gaulle. Voilà, tu vois, il nous a parlé au-delà de l'espace et du temps. Ça a été extraordinaire ce qui s'est passé. C'était, il y a pas de, on en a eu la chair de poule, les larmes aux yeux, on en a été tous très, voilà, impactés. C'était tout à fait. Je voulais te faire ce cadeau, il y a longtemps que je voulais le faire. Il y a la droite de cadeau, mais ça montre que c'est, je répète, ceux qui sont dans la résonance avec l'énergie vont voir des choses au-delà des apparences. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Ceux qui restent sur la ligne droite ne verront rien et vont tout... c'est normal. C'est normal. Ceux qui se bougent, qui ne résonnent pas avec la nouvelle énergie, verront l'ancien monde et verront le destin de l'ancien monde. Eh bien, ceux qui sont en résonance avec l'énergie qui est en train d'arriver, et c'est être le plus fort maintenant, vont voir un autre destin. Les deux mondes sont ensemble. C'est pour ça qu'il n'y a pas raison ou tort. C'est vrai dans les deux cas. D'accord. Ok. Waouh. Super intéressant, mon frère. Super, super, super intéressant. Magnifique. Super boulot, en tout cas, que ces explications. Tu as fait ça expressément pour nous ? Oui, j'ai pris ça. J'ai dit, tiens, tonton, comme il a fait ça, j'ai dit, j'ai cette carte. Je voulais parler de Charles de... Il y a d'autres choses, mais je voulais parler de Charles. Je dis, mais c'est le signal. Il a fait ce document audio-vidéo. Eh bien, ça va porter la carte, parce que parler la carte toute seule, les gens, parfois... Mais là, ça va bien ensemble. Et on sait que voilà. Donc, j'ai dit, mais je vais préparer le temporaire pour expliquer la précision. Alors, je le répète, vous bidez pas. Hein. Ça va bien le faire. Là, je vous parle de la tradition. On verra plus tard qu'il y a d'autres paramètres à rentrer dans l'équation qui vont modifier justement ça. Mais au début, il faut mettre des bases, parce que les gens, ils savent dire c'est quoi l'ascension, ça vient d'où ? Ça vient simplement d'un phénomène cyclique énergétique. Et la prochaine fois, on parlera des vagues ascensionnelles. Et c'est là justement que ça va mieux comprendre pourquoi je vous ai parlé de ça la prochaine fois, puisque je vais m'appuyer là-dessus pour vous parler de vagues ascensionnelles. Et après, on parlera de pourquoi 2012 n'a pas été tel qu'il avait été décrit par les Mayas. Et qu'est-ce qui va se passer à la place? Qu'est-ce qui a pu se passer? C'est nickel, parce que tu prévois le programme qui est très intéressant, c'est très bien structuré. Lorsque tu me demandes de quoi va-t-on parler, je t'avouerai en toute franchise que personnellement, je n'en sais rien. Je te fais entière confiance. Donc, vas-y, instruis-nous. Je fais simplement, comme je suis enseignant, vous savez que j'étais enseignant, je suis toujours enseignant, ce n'est pas de moi, rien ne m'appartient, c'est pas de révélation, c'est simplement des compilations de données de plusieurs personnes qui nous montrent des choses factuelles. Je vous montre, c'est des choses que, des cartes, vous pouvez vérifier, il n'y a rien. Et puis la phrase de De Gaulle, vous allez demander à notre ami, Christophe, d'aller à Paris, il vous prend la photo, vous verrez que c'est marqué sur devant le Grand Palais. C'est impressionnant quand même. Bravo. Bravo. Voilà.
Voilà, donc Charles est de retour et il va nous accompagner de son meilleur truc. Et c'est à nous après de faire le... Il n'y a pas de problème. Rappelez-vous simplement de vous maintenir dans l'autre vision. Ou sinon, bien sûr, quand vous passez de la vision du bas à la vision du haut, ça fait des mouvements de haut le cœur. On ne se sent pas bien, c'est comme dans un avion. C'est vraiment à croire que Charles ne nous a jamais quittés, justement. Et parce que ça a été insensé également, comme l'a expliqué Cécile, qu'on embrasse très fort, Cécile Mélac qui a écrit le texte. Elle m'a dit, pour moi, ça a été pareil. Moi, ça a été divin, mon interprétation. Et pour elle, ça a été pareil. Ça a été divin, l'écriture. Ça a été son stylo, elle est presque tout seul, quoi, tu vois. Quelque chose d'exceptionnel. Mais il fallait que tu sois un imitateur. Quelles sont les probabilités pour que quelqu'un qui fasse un débrief soit imitateur? Donc, exactement. Tu vois, l'univers a conspiré à notre bonheur. Ah, mais je suis convaincu que j'étais connecté. Parce que, d'habitude, lorsque j'interprète, je te fais une petite confidence, lorsque j'interprète un texte ou qu'on est en doublage, on change toujours une interprétation, on change un mot par un autre parce qu'il sonne mieux ou on rajoute une tournure de phrase différente, tu vois. Mais là, je n'ai pas changé un mot de Cécile. J'étais devant le texte et on n'a fait qu'une seule prise. C'est incroyable. Et je ne l'avais pas répété, j'en fais le serment. Tu étais investi, ça se voit dans la vibration. Tu étais investi par... Voilà. J'avais mon rendez-vous studio ici à côté de chez moi, enfin à une demi-heure de chez moi, avant de repartir à Paris, c'était un mercredi, c'était il y a 2 semaines, j'avais mon rendez-vous en studio et 5 jours avant, je dis bon, à chaque fois je me disais je vais quand même jeter un petit œil sur le texte pour la mise en bouche, va-t-on dire, tu vois, pour la mise en bouche et à chaque fois, et puis 3 jours avant, je me suis dit non. Volontairement, je me suis dit non, avec toutes les croyances que j'ai acquises, avec cette grâce à aux révélations que sont ce Covid. Et on remercie en fin de compte le Covid, en fin de compte, pour l'ascension que nous menons. Mais grâce à tout ce que j'ai acquis durant ces 4 ans, je me suis dit non, je vais laisser faire l'univers. Et je ne le répéterai pas, je ne vais pas le répéter, et franchement, j'avais rendez-vous genre midi, avant de partir, à 11h15, j'ai allumé mon ordinateur, j'ai mis l'imprimante en route, et j'ai tiré mon texte, je l'ai mis dans ma mallette, je suis parti. Et je te garantis que je n'ai pas travaillé un seul mot. Mais problème parce que tu étais, tu vois, Charles était, son information, sa vibration, on va dire, hein. Voilà. Donc, à raisonner avec ton propre champ de conscience, ça fait une fusion, et il s'est exprimé à travers toi. Alors, c'est pas du spiritisme, attention, c'est pas de non, hein, pas du tout. C'est une espèce de télépathie, voilà, une forme d'empathie télépathique que tu as pu exercer avec lui. Il a voulu faire passer son message à ce moment-là. C'est impressionnant. Il y a deux ponctuations que je donne, que j'ai donné, deux pulsions que j'ai données sur un non. Tu vois, à général de Gaulle, et le monteur vidéo est allé chercher les mains du général, c'est parce que tu vois dans la vidéo, qui appuie ce « non ». Ça a été, mais waouh, je t'en parle là, j'ai de nouveau la chair de poule. Quoi, tu vois. Oui, mais c'est ça, c'est la preuve qu'il y a bien quelque chose qui est passé, et ça va changer quelque chose. Cette vibration, comme une espèce de déflagration énergétique, avec tout ce qui est en train d'arriver, eh bien, ça va réveiller la France, ça va faire bouger certaines choses. On ne sait pas quoi, ce n'est pas à nous de savoir le comment, mais on sait le pourquoi maintenant. Charles, ce premier président qui est venu et qui a, eh bien, il est en train d'œuvrer aussi avec nous. Les ancêtres, je crois que les ancêtres. Il est servi de moi pour parler aux Français. Oui, c'est ça. Ben oui, parce qu'il ne pouvait pas, il peut pas le faire. Donc, ben, il s'est servi d'un imitateur, parce qu'il aurait pu se servir de quelqu'un. Qui n'est pas imitateur, donc ça aurait été plus difficile. Une intelligence artificielle, un comédien, en plus un très bon comédien qui est capable de rentrer dans la vibration, et bien voilà, c'est,
Bravo. Ah, oui. Et dans la plume et dans la plume de Cécile, quoi, tu vois, de Cécile. Ah oui, bravo Cécile. Bravo Cécile. C'était une communion vraiment extraordinaire. C'était vraiment incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande d'essayer d'inonder les réseaux. C'est pas pour la gloire qu'on en tire. C'est parce que je pense que c'est vraiment le second appel du général, quoi. Franchement, en toute humilité, je le pense. Ah mais oui, tonton, mais c'est ça. Pourquoi tu ne sens pas ça? C'est ça. Tu l'as posé et c'est ça. C'est tout. Voilà. Il y a pas de légitimité. C'est c'est comme ça. Regarde les cartes. Toi, tu l'as fait il y a deux jours. Moi, je l'ai diffusé. Hein, mais tu l'as fait il y a deux jours. Et là, tu as une carte où tu as le président, le général qui parle. Il n'y a pas de hasard. Où c'est que dans le monde tu vois ça? Où est-ce que tu vois ça dans le monde, toi? Où est-ce que tu jamais, vois ça? Jamais. Donc, tu vois bien que c'est bien un événement originel. Il ne faut pas de fausses trucs. C'est, bravo, félicitations, c'est ce qu'il fallait. Ben, génial. Ben, un grand merci, un grand bravo à Cécile également. Oui, bravo pour le texte. Voilà. C'est historique. Plus tard dans l'histoire, on en parlera. Ben, une fois n'est pas coutume, je vais leur passer en fin de live. Je vais demander de nouveau à Marlène, à Aline de partager le lien pour que les gens puissent la télécharger sur le côté, dans les commentaires. Tant que le live n'est pas fini, la barre des commentaires tourne toujours. Donc, s'il vous plaît, partagez comme ça les gens. Allez chercher la vidéo et partagez-la. Si vous la trouvez pas là dans les commentaires, c'est pas anodin. Vous allez sur mes profils VK, Twitter ou sur Facebook. Je l'avais partagé. Enregistrez-la et partagez à fond, parce que c'est vraiment l'appel du général. C'est une parodie, certes, mais on y croit vraiment. Et le débarquement cette fois-ci, ça sera, moi je le dis, ça c'est moi qui le dis, hein, c'est le débarquement, il a déjà commencé. Le débarquement, ce sera la venue des célestes bienveillants. Parce qu'à l'époque, c'était les Américains ou les Russes, hein. Ouais. Ben là, ça va être d'ailleurs, puisque Charles il est là-haut, il est dans les cieux, eh bien ça viendra des cieux, voilà. Avec plaisir que je lui offrirai le café. Pas de problème, avec plaisir. Alors je veux dire, avant de finir, parce que c'est fini, demain, pendant le passeport à 16h, vous trouvez le passeport sur VK ou sur les mêmes chaînes qu'avec Tonton, demain, c'est important, je vais révéler des événements importants pour l'éclipse du 8 avril 2024. Oh. Et c'est un événement, vous verrez, il y aura des informations, et ça pourra peut-être vous intéresser de connaître certaines informations que vous n'avez pas ailleurs sur le phénomène de l'éclipse, qui aux États-Unis va faire du bruit, puisque je pense qu'il y a un pèlerinage de plusieurs centaines de milliers de personnes qui va se faire pour suivre l'ombre de l'éclipse. Bon, oui. Ça, je vous le signale. Donc, c'est un événement extrêmement important. Oui. Voilà. Demain. Parfait. Impeccable. Merci beaucoup, mon ami. Ben, écoute, concernant, ben, c'est dans deux semaines, hein, pour la prochaine. Dans deux semaines, je continuerai d'autres nouvelles informations pour aller plus loin, pour arriver à mieux saisir cet événement qui est un événement astrophysique relié à la conscience, bien sûr. C'est la physique ou l'astrophysique de la conscience, mais qui est factuelle et qui est rationnelle. C'est pas du mystique pur. Et ça, faut bien qu'on le comprenne. Impeccable. Merci beaucoup, mon frère. Je te remercie, Jean-Michel. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Et je te dis à dans 15 jours. Et puis, de toute façon, d'ici là, au téléphone, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Je te remercie, Jean-Michel. Allez, bonsoir à tous. Merci à toi, l'ami. Namasté. Namasté. Merci. Voilà les amis, voilà, ce live touche à sa fin, on est dans les temps plus ou moins en ce qui concerne l'âge des briefs, donc j'espère que vous avez passé un excellent moment en nos compagnies. Demain c'est notre ami Antoine, bien sûr. Jeudi, si je ne m'abuse, c'est Jean-Marc pour une émission de santé, ou c'est François, je ne sais plus. Vendredi, de nouveau Antoine, pour ma part c'est mardi prochain, et je recevrai en personne monsieur Tal Chaleur, qui viendra nous donner son opinion sur les vaccins, bien entendu, que nous connaissons tous, mais je ne prononcerai pas le mot à l'antenne, bien sûr. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous, et comme c'est c'est son grand lancement, on passe la vidéo du deuxième appel du général de Gaulle. Bonne fin de soirée à vous tous, au revoir et à très bientôt.
les alerteurs qui, depuis de nombreuses années, sont appelés complotistes pour discréditer leur message, ont formé une résistance. Cette résistance, alléguant l'urgence de la situation, se met en rapport avec vous pour gagner le combat contre le nouvel ordre mondial. Certes, nous avons été et nous serons submergés par la force médiatique, financière et politique de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont leurs moyens, leurs menaces et leur censure qui nous font reculer. Ce sont leurs moyens, leurs menaces et leur censure qui ont surpris nos groupes au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, rien n'est perdu pour l'humanité. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste peuple avec elle. Elle peut faire bloc avec les peuples d'Europe et du monde qui tiennent aux valeurs humaines et continuent la lutte. Elle peut, avec les autres peuples, utiliser sans limite l'immense détermination de chacun d'entre nous. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre humaine, mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force médiatique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force numérique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, en repos éternel depuis 54 ans, j'invite les résistants, tous les Français et tous les humains qui se trouvent concernés par le coup d'État mondial qui est en cours et sans leurs armes, à se mettre en rapport entre eux et à se battre pour la sauvegarde de l'humanité. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française et mondiale ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à tous les résistants du monde. Vive la France et tous les peuples du monde.